très très heureux. C'est tellement dur d'être champion de France, lui il a l'habitude, c'est le quatrième, mais moi c'est mon premier. Et c'était l'objectif numéro un de la saison, beaucoup de fierté. C'était une finale pas facile, donc c'est encore plus dur de la gagner et plus jovial après de la célébrer. Et je suis très content de la gagner avec Joe, je pense qu'on est une vraie belle paire. C'est un quatrième titre, c'est vrai, premier à gauche par contre, donc c'est vrai que c'était un peu un renouveau, on s'associe avec Ben pour ça aussi. Moi j'avais envie de tester à gauche, Ben pour moi c'est le meilleur joueur à droite en France sans débat, même si ça pousse derrière. Donc c'était notre objectif de la saison, c'est toujours difficile et on l'a vu sur la finale, il y a des hauts et des bas. Moi je dois avouer qu'à 5-5 je me suis dit ça va pas être mon année encore. Non, ils sont remontés, on a fait un mauvais jeu de service, on a l'occasion de faire 3 breaks d'affilée où on a 30-40 à chaque fois, on le fait pas et derrière on se fait débreaker. Joe, je crois qu'il n'a pas eu peur lui. Je ne sais pas si c'est l'expérience qui parle ou pas, mais c'est vrai que moi je sais que c'est long dans ce genre de match. Donc quand ils reviennent à 5-5, je ne suis pas ultra serein, mais je sais ce que je veux dire, il reste 2 jeux. C'est-à-dire qu'on est les deux équipes, on est à 2 jeux, on a 8 points de gagner le titre. Et c'est peut-être ces petites paroles positives qui ont fait qu'on s'en sort, je ne sais pas. Mais en complètement, tout cas, il a une expérience, il m'amène et j'ai joué avec lui pour être champion de France. Il m'a amené le titre de champion de France, je suis super heureux. On a gagné parce que je pense qu'on est une vraie équipe, on est potes dans la vie. Donc c'est ce qui a fait qu'on s'est soutenus du début à la fin et on est très très heureux de remporter ce titre ensemble. Je suis très contente d'avoir gagné mon premier championnat de France et encore plus avec Alix, avec la meilleure joueuse française sur le circuit World Padel Tour. C'est un grand honneur et une très grande fierté. Je suis très contente encore une fois cette année. Je suis super heureuse qu'on ait gagné ce titre ensemble avec Léa. Je crois qu'elle le méritait aussi depuis plusieurs années. Et voilà, j'espère que j'aurai ce type d'interview toutes les années, le plus longtemps possible. On se sert de l'expérience du World Padel Tour pour préparer nos matchs comme on fait sur le circuit international. On prépare les matchs ici en France de la même manière. Même si sur le papier tout le monde nous voit favoris, je pense qu'il n'y a pas un match plus facile qu'un autre. Pour compléter ce que dit Léa, on n'a pas envie de rentrer sur n'importe quel match en se disant bon allez, on joue à moitié, parce qu'au final c'est le meilleur moyen de se dérégler un petit peu ou de ne pas bien jouer quand tu arrives à la demi ou la finale. Je pense que d'être très sérieuse dès le départ, c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en finale on a réussi à sortir un gros match parce qu'on avait le rythme, on a fait ce qu'il fallait avant et aujourd'hui ça s'est très bien passé pour nous.